Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Vous allez découvrir les 7 étapes à suivre pour réussir à gagner de l'argent avec un blog. Même si vous êtes débutant, même si aujourd'hui vous êtes devant une page blanche, je vais vous montrer une stratégie prouvée qui fonctionne et qui est simple pour réussir à gagner de l'argent avec un blog. Personnellement, je blogue depuis 2010, mais j'en vis depuis 2013. En fait, 2013 a été une année particulière pour moi. C'est celle où j'ai été licencié, où je me suis retrouvé au chômage, et c'est le moment où j'ai décidé que je ne serai plus jamais salarié, que je ne travaillerai plus jamais pour un patron, mais que je serai chez moi, à mon compte, en toute liberté, sur mes projets. Et finalement, je m'en sors pas trop mal, car depuis 2013, j'ai toujours réussi à faire vivre ma famille de 4 personnes grâce au blogging. J'ai même réussi à acheter l'appartement dans lequel je tourne en vendant mes formations. Et aujourd'hui, je suis à la tête d'une entreprise qui a un chiffre d'affaires à 6 chiffres. Donc, je vais vous montrer la stratégie que j'utilise pour lancer et réussir mes blogs. Et vous allez particulièrement découvrir ce que j'appelle le point ascension, qui est un critère fondamental pour réussir à vendre des produits sur un blog, à générer du chiffre d'affaires. Alors, la première étape quand on veut créer son blog, c'est de définir la thématique. Alors, c'est un vaste sujet et c'est principalement sur ce sujet que les débutants se trompent. Le conseil le plus courant, c'est de bloguer sur sa passion. Moi, j'aime pas ça parce que la passion n'est pas forcément porteuse et vous ne savez pas quelle sera votre passion demain. Donc finalement, en bloguant sur votre passion, vous risquez de faire des mauvais choix, de travailler très dur sur un blog qui ne sera pas forcément monétisable. Le mieux, c'est de trouver le point d'intersection entre votre passion et un marché qui est porteur. Si vous avez une zone d'intersection entre les deux, c'est-à-dire quelque chose qui vous plaît et qui a un potentiel business, eh bien, vous avez tout gagné. Alors, à ce stade du projet, vous n'avez pas forcément besoin d'être expert dans votre thématique. On va y revenir juste après. Sachez simplement que si vous voulez des informations supplémentaires pour trouver la bonne niche, j'ai créé une vidéo sur ce sujet que vous pouvez retrouver sur YouTube. C'est une vidéo qui parle des idées de business. Regardez-la juste après. Ce que vous pouvez faire, c'est partir sur des niches qui sont prouvées. Regardez les blogs anglophones et regardez les blogs francophones qui tournent autour de vos idées et essayez de voir si ce sont des blogs qui gagnent de l'argent. Essayez de voir s'ils sont importants sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous à leur newsletter et regardez ce qu'ils vendent. De cette manière, vous arriverez à voir si ces blogs sont réellement des blogs qui génèrent du chiffre d'affaires ou si ce sont des thématiques qui ne sont absolument pas porteuses. À partir du moment où vous avez plusieurs blogs qui ont l'air de gagner de l'argent dans une thématique donnée, c'est très bon signe. Ça veut dire que cette thématique représente un marché et je vous conseille plutôt d'aller vers des thématiques qui sont porteuses et de vous y imposer par la qualité que de partir sur des thématiques qui ne sont pas porteuses et dans laquelle vous risquez fort de vous planter même si vous montez un excellent blog, tout simplement parce qu'il n'y aura pas de marché. La deuxième étape, c'est l'étape de l'apprentissage. Il est possible que vous ne soyez pas un expert dans la thématique que vous avez choisie. Moi, j'ai déjà vécu cette situation. Un de mes premiers blogs, d'ailleurs le premier blog qui m'a réellement fait vivre en 2013, c'était un blog sur le tir sportif. Moi, j'étais pas un champion, j'étais pas un professeur diplômé et pourtant, j'ai vendu des milliers de formations sur le tir sportif. Comment? Eh bien, tout simplement en me formant moi-même. J'ai acheté des dizaines de bouquins sur le sujet, des dizaines de DVD sur le sujet et j'ai aussi élargi le scope. J'ai acheté des bouquins sur la nutrition sportive, sur la préparation mentale, sur d'autres disciplines. Ça m'a permis d'avoir une vision d'ensemble et de créer mes propres cours. C'est ainsi qu'on peut devenir un expert dans n'importe quelle thématique en se formant. Et d'ailleurs, c'est vrai dans n'importe quel domaine. Prenez par exemple un professeur d'université. La plupart du temps, ils n'ont rien inventé de révolutionnaire. Ils s'appuient juste sur les centaines de livres qu'ils ont lus dans leur propre thématique, comme l'histoire, la philosophie ou les mathématiques. Il est également fondamental à ce stade que vous appreniez à bloguer. Je vais vous donner un exemple. À titre personnel, je fais de super bons spaghettis bolognaise. Mais ce n'est pas pour autant que je serai capable de faire tourner une pizzeria. Pour faire tourner une pizzeria, il faut trouver un local, il faut négocier avec un banquier, il faut acheter le bon matériel, il faut définir des menus, trouver des fournisseurs, recruter du personnel, il faut savoir s'organiser pour sortir 200 pizzas pendant le coup de feu. C'est donc un véritable métier.
métier. Donc, ce n'est pas parce que vous aimez faire la cuisine que vous serez un bon restaurateur. Eh bien, ce n'est pas parce que vous aimez écrire que vous serez un bon blogueur. La rédaction sur Internet, c'est particulier. Faire connaître un blog demande des stratégies particulières. Il y a des outils, il y a de la technique. Ça demande des connaissances en marketing. Il va falloir réussir à convaincre. Il va falloir réussir à vendre. Il va falloir réussir à vous faire connaître. Évidemment, il y a peu de chances que si vous êtes un débutant, vous maîtrisiez ces choses-là. Il est donc extrêmement important que vous vous formiez auprès de gens compétents qui peuvent vous guider avec des stratégies à suivre qui sont efficaces. À ce moment de votre projet, vous avez déjà franchi des étapes hyper importantes. Vous avez défini votre niche, vous vous êtes formé dans la thématique et vous avez des notions de blogging. On va maintenant passer vraiment à la réalisation de votre blog. Il va falloir maintenant créer un petit guide gratuit pour que les gens aient envie de s'inscrire à votre blog. Vous allez donc créer une petite vidéo de 20, 30 ou 40 minutes ou écrire un super article de 10 000 ou 15 000 mots qui va donner envie aux gens de s'inscrire à votre liste pour pouvoir télécharger ce bonus. Une fois que vous avez créé ce bonus, vous allez le mettre en avant sur une landing page, c'est-à-dire une page 100% dédiée qui va présenter votre bonus et qui va inciter les gens à s'inscrire pour le télécharger. Et à ce stade du projet, c'est pas grave si votre blog est vide, il suffit d'avoir cette page qui met le bonus en avant. L'idée maintenant, ça va être d'envoyer du trafic vers cette page pour commencer à avoir des lecteurs dès le début, avant même de commencer à publier des articles. Pourquoi ? Eh bien, la plupart des gens se lancent tête baissée. Une fois qu'ils ont créé leur blog, ils n'ont qu'une envie, c'est de commencer à publier pour passer leur message au monde entier. Le problème, c'est que à ce stade, personne ne sait que votre blog existe. Ça n'a donc aucun sens de publier des articles qui ne seront jamais lus. Et ne comptez pas pour Google, pour vous les positionner tout en haut de ces classements. Vous ne dépasserez jamais des blogs qui sont là depuis longtemps, qui ont déjà une audience sur des mots-clés compétitifs, parce que le référencement est une stratégie à moyen terme. Nous, ce qui nous intéresse là, c'est de construire une audience rapidement pour avoir des lecteurs tout de suite. Il va donc falloir définir quelle stratégie vous allez utiliser pour avoir vos premiers inscrits. Une de mes stratégies préférées est de faire des articles invités. C'est ce que j'ai fait au début de Traffic Mania. J'ai tout simplement écrit des articles que j'ai publiés sur d'autres blogs web marketing. Évidemment, ces blogs web marketing étaient installés, ils avaient de l'audience, ils avaient beaucoup de trafic. Mes articles étaient très bons et en bas de chaque article, eh bien, c'était signé de André Dubois du blog Traffic Mania. Vous pouvez découvrir son guide gratuit en cliquant ici et il y avait un lien qui renvoyait vers mon blog. En multipliant les articles invités, j'ai réussi à avoir 600 inscrits en quelques semaines. J'ai donc ensuite pu publier mon premier article et avoir tout de suite des lecteurs. D'ailleurs, si vous allez voir le premier article de Traffic Mania, vous verrez qu'il a déjà des commentaires et des partages. Les articles invités ne sont pas la seule stratégie que vous pouvez utiliser, il y en a plein d'autres. Vous pouvez faire des concours, vous pouvez utiliser de la publicité Facebook, vous pouvez même contacter des gens un par un sur les forums ou sur Twitter ou avec les réseaux sociaux. Le tout est de faire ce travail dès le début, de construire ce premier noyau d'audience, ces premières centaines de lecteurs qui seront là pour lire votre premier article et rendre votre blog populaire dès le départ. Une fois que cette étape fondamentale est terminée, nous arrivons à l'étape numéro 4. Vous allez commencer à écrire et à promouvoir votre contenu. Alors, je ne vais pas vous faire un cours complet sur l'écriture d'articles ici, mais sachez que sur la chaîne Traffic Mania, vous pouvez trouver une vidéo qui s'intitule « Comment écrire un très bon article de blog ». Sur le blog Traffic Mania, c'est également un sujet que j'aborde très souvent avec par exemple 13 astuces pour écrire un article de blog inoubliable. Je vous conseille d'aller lire ces ressources, vous allez en apprendre énormément sur la rédaction d'articles. Mais sachez bien une chose, une fois que vous avez publié votre premier article, vous devez absolument le promouvoir. Le trafic ne va pas venir tout seul, c'est à vous de mettre en place des actions pour vous faire connaître. C'est un petit peu ce que font les acteurs une fois qu'ils ont fini de tourner leur film. On les voit chez Drucker, on les voit à la radio, on les voit chez Ruquier, tout simplement pour présenter leur nouveau film. Évidemment, si les acteurs ne faisaient pas ce travail de promotion, eh bien, on ne serait pas au courant qu'il y a des nouveautés dans les salles de cinéma et les films auraient beaucoup moins de succès.
C'est exactement le même principe avec la promotion d'articles de blog. Évidemment, vous n'allez pas aller à la télévision pour les promouvoir, mais vous allez utiliser un ensemble de stratégies pour les faire connaître. Une des stratégies les plus simples, c'est tout simplement de contacter des blogs de votre thématique avec lesquels vous avez des bonnes relations, peut-être parce que vous avez fait des articles invités chez eux, et de leur demander de partager votre article sur leurs réseaux sociaux. Si ces blogueurs sont suivis par des milliers de gens sur Facebook, sur Twitter ou Instagram, eh bien évidemment, cela va amener du trafic supplémentaire sur votre blog. C'est un travail qui est assez fastidieux, mais que vous devez faire sur chaque article au départ. C'est pour ça qu'au début, il ne sert à rien de publier beaucoup. Il vaut mieux publier un excellent article et ensuite passer un jour ou deux à le promouvoir. Vous aurez de bien meilleurs résultats de cette manière plutôt qu'en écrivant tous les jours des petits articles inintéressants que les gens n'auront même pas envie de lire. Répétez cette stratégie d'écriture et de promotion régulièrement et vous verrez, votre liste va atteindre le seuil de 1000-1500 inscrits relativement rapidement et là vous allez commencer à pouvoir vendre des produits. Alors il existe 8 types de produits que vous pouvez vendre sur un blog, j'avais même créé une vidéo sur le sujet que vous pouvez aller voir après. Sachez qu'une des meilleures stratégies de monétisation quand on arrive à 1000 inscrits, c'est de faire du coaching. Ça vous permet de gagner de l'argent rapidement parce qu'il n'y a pas de produit à créer. Vous pouvez le vendre relativement cher. Donc même avec une liste de 1000 personnes seulement, on peut tout à fait gagner sa vie de façon récurrente et stable en vendant des coachings. Moi, c'est ce que je faisais au début de Traffic Mania. Générais entre 4000 et 5000 euros par mois en faisant des coachings les premiers mois. Et puis après, ma liste a continué à grandir et j'ai fait mes premiers produits d'information. Alors la clé justement, quand on veut créer une formation sur Internet, c'est ce critère de l'ascension dont je vous ai parlé tout à l'heure. Quel genre de produits devez-vous vendre? À qui doivent-ils s'adresser? Eh bien, les gens qui achètent des produits sur les blogs sont en majorité des gens de niveau débutant ou intermédiaire. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que les gros pros, les gens qui maîtrisent très bien leur activité, ne vont pas se former sur les blogs. Si vous avez un blog sur le tennis, les gens qui vont acheter, ça va être les débutants, les compétiteurs au niveau régional, mais le tennisman de niveau professionnel ne va jamais acheter une formation sur un blog parce qu'il a des entraîneurs de haut niveau à sa disposition. Donc, la majorité des gens qui vont acheter des produits chez vous, c'est les débutants niveau intermédiaire. Donc, ils ont un niveau qui est là et vous, vous voulez les emmener là. Et c'est ça le critère ascensionnel. Plus vous allez pouvoir leur faire franchir des niveaux et plus vous avez de possibilités de vendre. Si vous avez une possibilité de progression qui est extrêmement faible, ce n'est pas dit que les gens vont acheter votre produit. C'est pour ça que votre produit doit résoudre des problèmes qui sont profonds et c'est pour ça que c'est important de réfléchir dès le choix de votre niche au type de produit, au sujet de produit que vous pouvez vendre. Ne partez pas sur une niche qui n'est pas monétisable. Vous allez poser des mois et puis après vous allez être très déçu en vous rendant compte que vous ne pouvez pas gagner le moindre euro sur cette niche. Donc choisissez toujours des produits qui offrent un maximum de possibilités de progression. Par exemple, en blogging, ça va être des produits qui vont vous expliquer comment gagner de l'argent en écrivant des e-books. C'est une des formations que j'ai et qui a le plus de succès, tout simplement parce que des tas de gens veulent créer des e-books et gagner de l'argent avec. Très peu de gens savent le faire correctement. Cette formation montre comment y arriver. Il y a donc un gap très important puisque on parle de revenus. Donc là, tout de suite, on touche un point qui est très, très important pour les gens. Et c'est pour ça que cette formation marche aussi bien. J'ai un autre cours qui marche très bien, c'est celui qui apprend à écrire. On est d'accord, il y a tellement de concurrence sur Internet que le fait d'écrire de très bons articles de blog est un des meilleurs moyens de vous différencier. Or, écrire un très bon article de blog n'est pas facile. C'est pour ça que cette formation fonctionne extrêmement bien. Quand j'étais sur le tir sportif, les formations qui marchaient le mieux, eh bien, c'était tout simplement celles qui expliquaient aux gens comment atteindre un niveau supérieur. Donc, comment passer de débutant qui a du mal à toucher les cibles à un pratiquant de beau niveau qui va toucher 80-85% des cibles. Ces formations sont celles qui fonctionnent le mieux. Soyez très attentifs aux critères de l'ascension. Donc, une fois que vous avez créé votre produit, d'ailleurs pour vous aider, j'ai aussi une vidéo à vous proposer sur le sujet. C'est la vidéo qui vous explique
quels outils j'utilise pour créer mes formations, comment je fais pour envoyer les liens et quel système mettre en place pour les questions légales et fiscales. Donc, je vous conseille d'aller jeter un petit coup d'œil également sur cette vidéo, elle va vous apprendre beaucoup de choses. Donc, une fois que vous avez créé votre produit, c'est très important, selon moi, de vous mettre raccord avec le fisc et de mettre en place tout le système de vente. Donc, le système de vente, c'est un système qui est basé sur un outil qui va envoyer les liens de téléchargement à votre lecteur. Et d'un point de vue fiscal, je vous conseille fortement de créer une auto-entreprise. C'est ce qu'il y a de plus simple en France pour engager, pour gagner de l'argent et reverser au fisc ce que vous lui devez. Bref, tous les détails sont dans la vidéo que j'ai écrite sur ce sujet et dont vous voyez la vignette maintenant. La dernière étape consiste à vendre votre produit. Et là, vous avez deux grandes options et je vais vous expliquer comment faire le choix entre ces deux options. Le choix numéro un, ça va être de faire un tunnel de vente automatisé avec des emails que vous préparez à l'avance. Et les gens qui vont rentrer dans le tunnel, eh bien, vont recevoir cette campagne d'email et vous allez leur proposer le produit. La deuxième option consiste tout simplement à proposer, vous, avec des emails de temps en temps, le produit à vos lecteurs. Alors, qu'est-ce que vous devez faire? Est-ce que vous devez faire du tunnel automatisé ou est-ce que vous devez faire de la campagne, entre guillemets, one shot? Eh bien, ça dépend de l'audience. Et c'est quelque chose que j'ai compris très récemment et aujourd'hui, je sais quand est-ce que le tunnel est adapté ou pas. Le tunnel est adapté en fait quand vous avez un gros potentiel de trafic. Si vous avez un blog sur le régime, ben les régimes ça touche des millions de personnes. Donc vous allez avoir constamment une énorme quantité de trafic qui va arriver, qui va repartir de votre blog. Donc là les tunnels c'est bien parce que vous pouvez avoir simplement un produit qui va suivre la croissance de trafic et qui va vous permettre de gagner votre vie. Mais qu'est-ce qui se passe si vous êtes sur une thématique toute petite? Moi, quand j'étais sur le tir sportif, dans le domaine où j'exerçais, le Baltrap, il y a 20 000 pratiquants en France. C'est tout petit. Et moi, j'avais 4 000 inscrits. Donc, j'avais déjà un cinquième des pratiquants de France qui étaient inscrits à ma liste. Donc, je plafonnais. Je n'allais pas avoir 100% des pratiquants de France inscrits à ma liste. Ça n'existe pas. Donc, à un moment, j'avais atteint un espèce de plafond en termes de trafic. Donc, si j'avais mis en place un tunnel à ce moment-là, qu'est-ce qui serait passé? Eh bien, j'aurais eu des ventes qui plafonnent parce que je n'ai pas de nouveaux entrants. Je n'ai pas suffisamment de nouveaux entrants pour que le tunnel rapporte de l'argent. Donc, quand on a une petite audience, il vaut mieux multiplier les produits pour vendre les produits, pour vendre toute une gamme de produits à vos acheteurs. Et quand vous êtes dans une thématique où il y a un potentiel de trafic énorme, vous pouvez avoir un seul produit vendu avec tunnel. Voilà. Donc ça, c'est à vous de voir, c'est à vous de faire ce choix. Si vous voulez en savoir plus sur les tunnels, je vous invite aussi à découvrir la vidéo sur les tunnels de vente qui fait partie de la chaîne YouTube Traffic Mania. Donc voilà, on a vu les 7 étapes à suivre pour réussir à gagner sa vie avec un blog en partant de zéro. Cette étape fonctionne. Moi, quand j'ai commencé à bloguer, je gagnais entre 3000 et 4000 euros par mois. Ça, c'est mes revenus de 2013 avec mon blog sur le tir sportif. Je n'avais que 4000 inscrits à ma liste. Donc, on peut y arriver si on fait les choses intelligemment. Aujourd'hui, je suis à la tête d'une entreprise qui génère un chiffre d'affaires à 6 chiffres hors taxe et j'ai bien l'intention de doubler ce résultat l'année prochaine. Donc en faisant les choses correctement, on y arrive et moi je ne fais rien d'autre que d'appliquer les méthodes que je vous ai données ici. Donc si vous avez aimé cette vidéo, merci de la liker et merci de vous abonner à la chaîne. Si vous voulez avoir plus de détails sur la stratégie trafic dont je vous ai parlé, il y a une formation trafic gratuite d'une heure que vous pouvez télécharger en allant sur traficmania.com. Maintenant, dites-moi en commentaire où est-ce que vous en êtes dans votre projet. Est-ce que vous êtes au niveau de la page blanche et vous n'avez aucune idée de ce que vous voulez faire? Est-ce que vous avez déjà commencé à bloguer et vous commencez à avoir des inscrits? Ou est-ce que vous êtes déjà un blogueur qui gagne sa vie? Ça serait sympa que vous me mettiez ça en commentaire pour qu'on puisse échanger là-dessus. Merci beaucoup et à bientôt sur Traffic Mania. Ciao.